no masterpiece. Hey. 10 bad bitches and they after me. Bad. One bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big drip. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, vidéo un petit peu bonus avec mon meilleur pote Dimitri. On va faire un petit peu le tour de mes installations. On va regarder ensemble quelques questions qu'il a me posées et tout ça. Voilà. Est-ce que t'es chaud, Dimitri? Ouais, ben ouais, on est parti, allez. Allez, go. Allez, suivez-nous. Blue face, baby. Yeah, I bust down, Tatiana. Yeah, I wanna see you bust down. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down, pick it up, not break that shit down, break it down, speed it up, now slow that shit down, on the gas, slow it down. Donc voilà, avec Dimitri on vient de finir le tour des installations. Je vous mettrai quelques images en séquence dans la vidéo. Là je viens de lui donner une Pantherophis gutatus classique pour changer un peu des serpents que je monte d'habitude comme les Albertisi, enfin tout ce qui est un petit peu moins commun. Dimitri est un amateur de serpents débutants. Donc il a plein de petites questions auxquelles on va y répondre dans cette vidéo. Ouais, tout à fait. Donc comme tu l'as dit, je suis un amateur. Et donc je me posais la question, au niveau des terrariums, est-ce que c'est tous les terrariums pareils ou ça dépend par rapport à chaque serpent? Eh bien non, justement, en fait tu vas t'adapter dans un premier temps à l'espèce, ensuite à sa taille, à ses besoins physionomiques et physiologiques. Tout ce que tu peux lui offrir, en fait tu vas essayer de lui offrir un maximum de bonnes choses afin de garantir son confort et bien sûr son bien-être et sa vie aussi bien sûr. Donc voilà, la taille des terrariums et l'aménagement ainsi que les températures que tu vas lui offrir, tu vas vraiment l'adapter à l'espèce ainsi qu'à la taille et à l'âge de l'animal. Ok. Et du coup, tu dois avoir combien d'espèces de serpents dans ton activité? Tu peux avoir combien d'espèces de serpents dans ton activité? Alors, je dirais pas combien tu dois, je dirais plutôt combien tu peux. Donc pour quelqu'un qui n'est pas détenteur d'un certificat de capacité et d'une AOE bien sûr qui va avec, tu es limité en termes de serpents, dont je parlerai seulement de serpents aujourd'hui, tu es limité à 25 maximum de serpents de moins d'1,50 m adultes, 10 maximum de serpents adultes de plus de 1,50 m et 3 boa constrictors, voilà. Okay. Après, toutes les autres espèces sont soumises à un certificat de capacité, donc tout ce qui va dépasser les 3 mètres, les espèces aussi sensibles en termes de législation, et pour les quotas, voilà. Dès que vous voulez dépasser les quotas, c'est certificat de capacité AOE, obligatoire. Ok. Et donc du coup, par exemple, moi qui débute, est-ce que je peux commencer avec un serpent des blés ou je peux prendre une espèce plus grosse? Alors, moi je dirais tout dépend, pas de l'espèce, tout dépend du débutant. Si tu vas être le genre de débutant à te renseigner, à faire les choses correctement, à être assidu, vraiment te renseigner, potasser en amont, tu peux partir quasiment sur tout, j'ai envie de te dire. Je mets une réserve là-dessus, bien sûr, comme je vous disais, tout dépend du débutant. Après, si tu veux juste partir sur un serpent, voir ce que c'est cool, avoir ça dans ton salon, sans te prendre la tête, sans chercher la difficulté, et que tu es un peu feignant sur la façon de te renseigner, ben, je t'orienterai plus sur ce type de serpent, qui néanmoins demande quand même à certaines exigences, malgré que ce soit un serpent très répandu. Voilà. Donc pareil, un serpent, t'essayes quand même toujours le maintenir, ouais, un maximum, tu vois. C'est que celui-là il est assez rapide. Et là, tu vois, oui, tu vas trop vite, lui il accélère. Regarde. Je suis zen. T'as vu direct? Oui, oui. Tu vois, on est en zen. Alors que si je commence à faire. Regarde la différence. Ouais, ouais. Tu vois, oui. Là, tu vois. Je suis zen. Regarde la différence. Tu vois. C'est pas évident, je le sais, quand tu es débutant. Tu l'apprends au fur et à mesure des années et de l'expérience, mais c'est très important. Voilà, regarde. En fait, t'es pas à l'aise toi-même. Non, mais si. Non, ça se voit. Le serpent le montre, en fait. Si t'es à l'aise, regarde, tu vois. Tu vois, je suis zen avec lui. Je le tiens pas. Je propose juste de quoi se tenir. Et là, tu vois, zen. Tu vois, regarde. Tu le tiens pas, tu le laisses juste aller entre tes mains. Voilà. Tu vois? Mmh. En fait, le comportement de l'animal, bon, sauf exception, va toujours être par rapport à vous. Si vous êtes quelqu'un de speed, cash et tout, vous allez avoir un serpent quand même assez, assez nerveux. Si vous y allez en douceur, en tranquillité, même avec des serpents un petit peu plus ténues, vous aurez des résultats assez, assez satisfaisants. Ouais, du coup, quelles sont les choses à prendre en compte quand on va voir son premier serpent, par exemple? Pour faire les choses bien, ça reste à mon avis, ben, comme je disais tout à l'heure, en amont, déjà, se renseigner un maximum. Bon, vous avez un outil qui est formidable comme Facebook et les forums. Attention, je mets une petite réserve. Ce n'est pas forcément toutes les informations vont être exactes, mais il y a quand même une certaine communauté qui va pouvoir t'amener les informations. Le mieux, et pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de se rendre directement chez un éleveur ou un passionné afin de te mettre en contact comme aujourd'hui avec les animaux et il va pouvoir en parler de sa passion avec toi. Pour moi c'est le meilleur. La meilleure chose à faire, c'est de se rendre chez les gens, chez les éleveurs, les passionnés. Même si, comme je disais, Facebook, les forums sont un outil super, tu trouves de tout. Tu vas trouver du noir, du blanc, du chaud, du franc. Enfin, ouais, voilà, il faut vérifier ces informations. Exactement, ouais. La source de ces informations. Puis t'en as un qui va faire comme ça chez lui, ça va très bien fonctionner, chez un autre ça va pas fonctionner. Donc faut vraiment prendre en compte tout ça. Pour moi le mieux, une espèce, moi ce que je fais par exemple quand j'ai débuté la terrario, il y avait plein d'espèces que je connaissais pas. Par exemple le Morelia spilota cheynei qui était une des premières espèces que j'ai achetées, je suis allé directement chez un éleveur, je suis allé voir les animaux, voir comment ils m'en occupent et c'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai vraiment bien appris comment m'occuper de Morelia spilota cheynei. Voilà donc primo c'est les informations. Secondo, ça va être l'installation. Donc comme on le disait tout à l'heure, ça va être la taille, la température, le substrat, enfin il y a tout type de substrat qui existe, l'agencement du terrarium, tout ça. Voilà, chaque terrarium est différent en fonction de l'espèce. En fonction de l'espèce et bien sûr en fonction de la taille et de l'âge. Voilà, un Pantherophis gutatus qui est ici ne va pas avoir du tout les mêmes besoins qu'un Boa Constrictor ou même un Python regius, un Morelia viridis. Voilà, même des animaux qui vivent sur le même biotope vont des fois avoir légèrement, il va y avoir des différences en termes de température parce qu'il y en a un qui va vivre un peu plus haut dans les arbres, l'autre va plus être caché donc... Faut vraiment faire attention à ça. Souvent je vois des gens dans un rack. Allez, un exemple à 32 degrés, il va y avoir plein d'espèces différentes mais du même pays. C'est bien, c'est pas bien, le problème c'est que voilà, comme je disais, tu vas avoir un serpent qui va plus être dans les terriers, va avoir besoin de plus d'humidité et une température un peu plus basse qu'un serpent qui va être exposé plus au soleil, dans les branches, tout ça. Par exemple. Mmh. Et donc du coup, j'ai vu que tu avais des couples, oui. Et je voulais savoir comment ça se passait au niveau de l'incubation en fait. Alors l'incubation, ben, je vais t'inviter à venir de ce côté-là. En fait c'est très simple, c'est comme le terrarium, ça va dépendre de l'espèce, parce que tu as certaines espèces comme la Pantherophis gutatus qui vont demander une certaine température, alors que d'autres, par exemple les Pythonidae, vont demander une température beaucoup plus élevée. Donc moi j'utilise, vu que j'ai pas mal d'œufs, j'utilise un frigo reconditionné, donc j'ai modifié, je vais pas vous l'ouvrir là. J'utilise donc du coup un thermostat qui va me gérer ma température, un câble chauffant bien sûr pour avoir mon moyen de chauffage et rien de plus, un bac d'eau à l'intérieur pour faire l'hygrométrie, dedans j'ai mes boîtes avec la vermiculite, excusez-moi, en substrat, une grille par dessus, je dépose mes œufs et généralement c'est entre 55 et 70 jours selon les espèces, selon la température à laquelle vous allez chauffer vos œufs, vous allez avoir les éclosions. Okay. Voilà. Et donc là, du coup, tu as combien d'œufs de différentes espèces à peu près? Combien d'œufs là exactement? Je sais pas, j'ai deux espèces en incubation pour le moment, okay. Puisque j'ai d'autres pontes qui arrivent. Pour l'instant, ce sont les Botrochus Albertisi, donc qui vont arriver à terme s'il faut dans la journée, demain ou dans la semaine. Et j'ai les œufs de Morelia spilota cheynei. Voilà, après j'ai les Python curtus qui doivent arriver, les Candoia aspera, mais ça c'est pas des œufs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les Pantherophis gutatus, Boa Constrictor, mais c'est pas des œufs aussi. J'ai plusieurs espèces là de tête, ça me vient pas. Voilà. Mais okay. L'incubation, c'est très simple en fait. On peut aussi utiliser l'incubation maternelle, naturelle, à condition que les femelles soient en forme, bien sûr. Moi, je préfère retirer les œufs et faire une incubation artificielle afin de redonner un poids de forme et de l'énergie à mes femelles assez rapidement. Voilà. Ok, très bien. Je vois, j'ai pas trop envie de les épuiser inutilement alors que je peux très bien y arriver artificiellement. Et après, du coup, je sais pas si je te l'ai posé, mais t'as combien d'espèces en tout? J'ai un total de 15 espèces différentes. Ok. Voilà. Plein d'outils, donc si tu peux nous expliquer à quoi ils servent et voilà, nous expliquer leur rôle quoi en fait. Eh bien c'est simple, donc bon là comme j'ai dans ma main et ce que vous allez retrouver ici, ce sont des outils que je vais utiliser sur les serpents pour les manipuler. Par exemple sur les serpents un peu plus virulents, je vais utiliser ce crochet qui me permet de pouvoir intervenir à distance, ou utiliser ce genre de crochet sur des bestioles pas forcément virulentes mais un peu plus grosses comme les boas par exemple. Même si dans 90% des cas sur les bois, ben, j'y vais à la main hein, bien sûr. Voilà, ça c'est une pince de nourrissage que j'utilise. Ce n'est pas une pince de contention à ne pas utiliser parce qu'avec ce genre d'outil vous pouvez blesser votre animal. Moi ce que j'utilise c'est pour tout ce qui est les lapins. J'ai une très bonne prise pour pouvoir distribuer les lapins. Ou sur les serpents qui vraiment vont être, comme je disais tout à l'heure, virulents, je me répète, je suis désolé, mais qui vont des fois venir vous chercher à vous plutôt que la proie. Donc ça permet de pouvoir nourrir en sécurité, notamment par exemple sur le nourrissage de python birman ou Simalia amethicina. Jamais de la vie, je vais nourrir avec ça. J'utiliserai plutôt ce type de pince. Voilà. Pour ce qui est de la contention entre guillemets du nourrissage, j'utilise aussi ce genre de pince pour ce qui est des animaux un peu plus petits, ceci pour les juvéniles, et un tout petit crochet aussi que j'ai fabriqué maison. Voilà. Petite astuce pour les crochets, vous pouvez le faire avec de l'alu, vous pouvez le faire avec de l'acier, enfin même si l'acier ça rouille, donc à éviter. Là c'est avec du cuivre, pour l'instant c'est le mieux que j'ai trouvé, ça ne rouille pas, c'est solide. Une cintreuse, donc avec une cintreuse, ben, vous pouvez vous faire un crochet pour peu de sous. Voilà. C'est de la bricole, mais c'est franchement ça dépanne. Voilà. Pour ce qui est des outils, après j'utilise pas de gants, de contention, j'utilise que ce que vous allez retrouver ici. Vu qu'on parlait de nourrissage, du coup je voulais savoir quelles espèces d'animaux tu donnais, c'était des petits gabarits, des gros gabarits. Et voilà, s'ils mangeaient beaucoup dans le mois par exemple. Alors c'est simple, les serpents ça mange pas de croquettes, ça mange pas de salade. Voilà, il y a certaines espèces insectivores, certaines espèces piscivores. La majorité des animaux chez moi s'alimentent de rongeurs. Voilà, donc moi je produis moi-même mes rongeurs, que ce soit souris, rats par exemple. J'ai mon propre élevage, d'ailleurs que je ferai un thème de vidéo là-dessus. Lapin aussi t'as dit? Lapin, oui, voilà, je donne aussi du lapin. Voilà, donc je les produis moi-même et puis je me sers de cet élevage nourricier pour nourrir mes animaux. Après, en termes de poids, de gabarit d'animal, ben, on va s'adapter à l'espèce parce qu'il y a certaines espèces qui tolèrent un peu plus que d'autres les grosses proies, d'autres un peu moins. Après, bien sûr, on va s'adapter à la taille, à l'âge de l'animal. Voilà, exactement. Tout simplement. Et donc par exemple pour le serpent nez bleu, tu vas plus donner une petite souris, voilà, ou un gros rat. Alors soit pour un adulte, ça va être soit une souris adulte ou un raton. Moi j'aime bien donner des ratons, voilà. Ok. Tous les 15 jours sur la Pantherophis gutatus à peu près. Ok. Et aussi tant qu'on y est, voilà, moi par exemple j'ai envie d'en prendre un. Oui. Et donc le coût total d'un serpent et plus le terrain, combien ça coûterait voilà, en général? Pareil, c'est aussi une question assez compliquée à répondre parce que ça va dépendre aussi de l'espèce. Si on part par exemple sur une Pantherophis gutatus, tout à l'heure que tu avais dans les mains, tu peux partir de zéro, c'est-à-dire ça peut être un abandon, ça peut être quelqu'un qui te l'offre aussi bien sûr, hein, à très haut selon la mutation, les localités, même si sur la Pantherophis gutatus on va plus parler de mutation, sur les localités, sur la rareté de l'espèce. Donc en fait les serpents tu peux en trouver de 0 à plus de 10 000 €. Voilà. Ce qui va être le plus cher en soi, si, quand on reste dans les serpents assez basiques, communs, ça va être le coût de l'installation au début. Voilà. Puisque forcément qui dit serpent dit en amont s'équiper en termes de terrarium, de thermostat, puisque un terrarium c'est obligatoirement un thermostat avec un tapis chauffant, des cordes, gamelles d'eau, substrat et bien sûr l'alimentation. En général l'équipement terrarium, généralement tu vas te retrouver entre 200, 300, 350 en partant sur des trucs neufs de gamme moyenne à peu près. Après tu peux te faire maison, ça revient moins cher, tu peux partir sur du haut de gamme, mais là tu vas partir sur des terrariums à 500 € simple, sans décor. Voilà, le plus cher c'est vraiment l'équipement. Après le serpent en soi c'est pas ce qu'il y a de plus cher, sauf si tu cherches quelque chose d'un peu plus poussé. Ok, d'accord. Et donc vu que je m'installe et tout, le serpent je dois le mettre dans une pièce assez chaude, donc la température ça sera à peu près dans les environs de combien? Alors, toujours pareil, ça va dépendre de l'espèce. Je vais garder l'exemple de la Pantherophis gutatus. Pour quelqu'un qui a un logement chauffé à, sans excédent ou la température ne descend pas trop, en général une maison est chauffée entre 18 et 22 selon les personnes. En température ambiante, c'est très bien. Après, il faudra rajouter bien sûr un petit tapis chauffant afin de créer un point chaud aux alentours de 26-28, c'est largement suffisant sur la Pantherophis gutatus. Ok. Et je vais revenir encore sur des choses que tu as dit. Tu parlais de mutations, est-ce que tu t'en fais toi-même des mutations ou Bien sûr. Par exemple, je vais prendre l'exemple des bois, puisque je les ai devant moi là. Je travaille sur la mutation Songluo, donc l'hippo avec l'albinos. Et le jungle qui va jouer sur le dessin, sur les Python regius, ça va être Enchi, Butter, Pastel, j'ai du Pastel, du Pinstripe. Chez les Brettestini, là je travaille l'Albinos, ce qui va être Matrix, pas les Brettestini, pardon, les Brongersmé, les Pantherophis gutatus bien sûr. Oui, je travaille pas mal la mutation, même si moi je vais plus aller travailler dans les localités, tout ça quoi. Je fais un petit peu de mutation, mais c'est pas trop mon délire. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, ton élevage, tout ça? Alors, déjà, la page Facebook, donc Reptistore. Je vous mettrai, de toute façon, tout ce qui est les liens des réseaux en description de la vidéo. Là où je suis très actif, c'est-à-dire où je vais faire des lives souvent, où il va y avoir des annonces un peu exclusives, des choses que je vais pas forcément partager sur YouTube, Snapchat et Facebook. Donc Instagram, je suis très actif, je vous montre le quotidien de mes journées, comment je vis mon élevage, ce qui se passe, donc les choses bien, les choses mal aussi, puisque quand on a des animaux ça se passe pas toujours bien. Et je vais être très actif avec des lives, même je vais mettre en place des jeux concours, tout ça. Voilà, donc pareil, Snapchat, Instagram, Facebook, c'est Reptistore, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ok, ben merci Steven de m'avoir reçu dans ton élevage et merci pour toutes tes questions. Ben, c'est avec grand plaisir, merci à toi d'être venu et de t'être intéressé. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Merci. What's up, fresh? It's our turn, baby.